À l'est du soleil, à l'ouest de la lune, d'Anne de Chanet. Il était une fois un pauvre homme qui avait tant d'enfants qu'il ne pouvait pas tous les nourrir ni les vêtir. Ses enfants étaient tous très beaux, mais la cadette était de loin la plus jolie. C'était vraiment la plus jolie fillette qu'on puisse imaginer. Un jeudi soir, on était en automne, il faisait si mauvais dehors que les murs de la chaumière se mirent à trembler. La neige tombait et le vent soufflait. Ils étaient tous assis devant la cheminée, occupés à diverses besognes, lorsque soudain quelqu'un frappa au carreau de la fenêtre. Le père sortit pour voir ce qui se passait et se retrouva devant un grand ours blanc. Bonsoir à vous. À vous de même. Accepteriez-vous de me donner votre cadette? En échange, je vous rendrai aussi riche que vous êtes pauvre. Devenir riche ne me déplairait pas. Mais je vais d'abord m'entretenir avec ma fille. Il rentra dans la maison et expliqua à ses enfants. Un grand ours blanc attend dehors. Et il a promis de nous rendre très riches s'il peut emmener notre cadette. Non ! S'écria immédiatement la jeune fille. Et il fut impossible de la faire changer d'avis. Alors l'homme ressortit et expliqua à l'ours blanc qu'il aurait une réponse le jeudi suivant. Entre-temps, le père ne cessa de parler à sa fille, de lui dire combien il serait riche et combien elle serait heureuse. Il parla tant qu'elle finit par céder. Lava et raccommoda ses guenilles et se fit aussi élégante que possible. Elle fut bientôt prête à partir, elle avait peu de choses à emporter. Le jeudi soir, l'ours blanc vint la chercher. Elle grimpa sur son dos avec son petit baluchon, puis ils partirent. Ils avaient déjà parcouru un long chemin lorsque l'ours lui demanda « Tu n'as pas peur ?»« Non, je n'ai pas peur. »« Tu ne risques rien si tu t'accroches bien fort à ma fourrure. » Ils chevauchèrent longtemps, très longtemps, et arrivèrent sur une grande colline escarpée. L'ours frappa contre le flanc de la colline, une porte s'ouvrit, et ils pénétrèrent dans un château. Toutes les pièces étaient éclairées et scintillaient sous les reflets de l'or et de l'argent. Il y avait aussi une table déjà dressée. L'ensemble était impressionnant. L'ours blanc offrit alors à la jeune fille une clochette d'argent. Si tu souhaites quelque chose, il te suffira de la faire tinter pour l'obtenir aussitôt. Après avoir mangé et bu, la soirée se prolongeant, la jeune fille eut sommeil. Elle songea qu'elle aimerait se mettre au lit. À peine eut-elle fait tinter la clochette qu'elle se retrouva dans une chambre où le lit était fait et les draps d'une telle blancheur que l'on avait immédiatement envie de se glisser dedans. Les oreillers étaient de soie et les rideaux frangés d'or. Dans la pièce, tous les objets étaient d'or ou d'argent. Mais lorsqu'elle se fut couchée et qu'elle eut éteint la bougie, un homme pénétra dans la chambre et s'allongea à côté d'elle. C'était l'ours blanc qui se débarrassait la nuit de sa forme animale. Pourtant, jamais durant toutes ces nuits, la jeune fille ne devait voir à quoi il ressemblait, car il venait toujours une fois les lumières éteintes et disparaissait avant l'aube. Tout d'abord, la jeune fille fut heureuse, mais bientôt, elle devint silencieuse et chagrine. Elle désirait retourner chez elle, revoir son père et sa mère, ses frères et ses sœurs.
Aussi, un jour, lorsque l'ours blanc lui demanda « Quelle est la chose qui te manque ?» elle lui avoua « Comme je me sens seule, comme je désire revoir ma maison, et mon père et ma mère, et mes frères et mes sœurs. L'idée de ne jamais les retrouver me rend très malheureuse. » Il y a bien une solution, mais tu dois me promettre de ne jamais parler en tête à tête avec ta mère. Elle cherchera sûrement à te prendre par la main et à t'entraîner dans une pièce où vous serez seules toutes les deux. Mais n'accepte jamais, si tu ne veux pas que le malheur nous frappe. Et c'est ainsi qu'un dimanche, l'ours blanc lui annonça qu'elle allait revoir son père et sa mère. Ils se mirent en route, la jeune fille assise sur son dos, et ils chevauchèrent très longtemps. Enfin, ils arrivèrent devant une grande maison. Ses frères et ses sœurs jouaient dans le jardin, et c'était un réel plaisir de voir combien tout était joli. C'est ici que ton père et ta mère vivent maintenant. Mais n'oublie pas ta promesse, si tu ne veux pas que nous soyons très malheureux. Non, je n'oublierai pas, c'est promis. Lorsqu'elle eut atteint la maison, l'ours blanc la quitta. Elle pénétra alors à l'intérieur pour saluer ses parents, et leur joie fut ineffable. Ils ne savaient comment la remercier pour tout ce qu'elle avait fait pour eux. Maintenant, ils possédaient tout ce qu'ils désiraient, vivaient dans l'opulence et le bonheur, et tous voulaient savoir comment s'organisait sa vie dans son nouveau foyer. Oui, l'endroit où je vis est très agréable. J'ai tout ce que je désire. Puis, ce qu'elle raconta encore, je l'ignore, mais je ne pense pas qu'ils en apprirent beaucoup plus. Aussi, un soir après qu'ils eurent fini de dîner, tout se passa comme l'avait prédit l'ours blanc. Sa mère voulut l'entraîner dans sa chambre pour lui parler en tête à tête. Mais elle se souvint des paroles de l'ours blanc et refusa d'accompagner sa mère. Ce que tu veux me dire peut bien attendre. Pourtant, sa mère insista tellement qu'elle finit par lui raconter toute son histoire. Chaque nuit, lorsque je suis couchée, un homme pénètre dans ma chambre et s'allonge à côté de moi dès que j'éteins la bougie. Je ne l'ai jamais vu, car il disparaît toujours avant le lever du soleil. Comme je suis malheureuse. Car je désire tant voir son visage. Comme les journées me paraissent longues, et comme je me sens seule. Mon Dieu, c'est sûrement un troll. Mais je vais t'apprendre comment découvrir son visage. Je vais te donner une bougie que tu cacheras dans ta robe. Allume-la lorsqu'il sera endormi. Mais prends garde de ne pas faire tomber de cire chaude sur lui. La jeune fille prit la chandelle et la cacha dans sa robe et, comme la nuit approchait, l'ours blanc vint la chercher. Après avoir parcouru un long chemin, l'ours blanc lui demanda si tout s'était passé comme il l'avait prévu. Elle n'eut pas le courage de lui mentir. Si tu as écouté les conseils de ta mère, tu as attiré le malheur sur nous deux et tout ce qui nous lie sera détruit. Elle lui affirma qu'elle n'avait pas écouté les conseils de sa mère. Une fois qu'elle eut regagné sa demeure, puis se fut couchée, tout recommença comme auparavant. Un homme entra dans sa chambre et s'allongea à côté d'elle. Mais au milieu de la nuit, lorsqu'elle sentit qu'il dormait, elle se leva, gratta une allumette, alluma la chandelle, puis approcha la flamme de son visage. Alors, elle découvrit le prince le plus charmant qu'elle eût jamais vu. Elle l'aima aussitôt, aussi éperdument, qu'elle réalisa qu'il lui serait impossible de vivre plus longtemps sans l'embrasser. Et c'est ce qu'elle fit. Mais en l'embrassant, elle laissa tomber quelques gouttes de cire chaude sur la chemise du prince qui s'éveilla. Qu'as-tu fait? Si tu avais pu attendre encore seulement une année, j'étais libre. Ma belle-mère m'a ensorcelé. C'est pourquoi je suis un ours blanc le jour et un homme la nuit. Mais maintenant, tu as détruit tous les liens que j'avais tissés entre nous.
Maintenant, il faut que je te quitte pour retourner près d'elle. Elle vit dans un château sis à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Là vit aussi une princesse au nez long de trois aunes, qu'il faudra maintenant que je prenne pour épouse. La jeune fille fondit en larmes, mais leur destin était scellé. Le prince devait partir. Elle lui demanda de pouvoir l'accompagner, mais c'était impossible. Indique-moi le chemin, et j'irai te chercher. C'est maintenant ce qu'il me reste à faire. Oui, cela t'est permis, mais il n'y a pas de route pour se rendre où je vais. L'endroit se situe à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, et tu n'en trouverais jamais le chemin. Le lendemain matin, lorsqu'elle s'éveilla, le prince et le château avaient disparu. Elle était allongée sur un maigre tapis d'herbe au milieu d'une épaisse et sombre forêt. À côté d'elle était posé le même petit baluchon qu'elle avait emporté la première fois. Après s'être longtemps frotté les yeux pour chasser le sommeil, après avoir longtemps pleuré, elle se mit en route. Elle marcha pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'elle arrive au pied d'un grand rocher au flanc escarpé. Elle y rencontra une vieille sorcière qui jouait avec une pomme d'or. La jeune fille lui demanda le chemin pour retrouver le prince qui vivait avec sa belle-mère dans le château 6 à l'est du soleil et à l'ouest de la lune et qui devait épouser la princesse au nez long de trois os. Comment as-tu appris son existence? Serais-tu la jeune fille qui devait l'épouser? Oui. Ainsi, c'est toi. Eh bien, je sais seulement qu'il vit dans le château, sis à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Et tu y parviendras peut-être un jour, ou peut-être jamais. Mais je te prête mon cheval, qu'il te conduise chez ma voisine la plus proche. Elle saura peut-être t'indiquer le chemin. Une fois arrivé, donne à mon cheval un coup de badine sous l'oreille gauche et prie-le de rentrer à la maison. Attends, tu peux aussi emporter cette pomme d'or. La jeune fille monta sur le cheval et chevaucha longtemps, très longtemps, jusqu'à ce qu'elle arrive devant un autre rocher au pied duquel était assise une autre vieille sorcière qui tenait un peigne à carder en or. La jeune fille lui demanda « Savez-vous comment se rendre au château sis à l'est du soleil et à l'ouest de la lune ?» Et la vieille sorcière, tout comme la première, lui répondit « Je n'en sais rien. » Si ce n'est qu'il se trouve à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, et tu y parviendras peut-être un jour, ou peut-être jamais. Mais je vais te prêter mon cheval. Qu'il te conduise chez ma voisine la plus proche. Peut-être pourra-t-elle t'indiquer le chemin. Une fois arrivé, donne à mon cheval un petit coup sous l'oreille gauche et prie-le de rentrer à la maison. Prends mon peigne à carder en or. Tu en trouveras peut-être l'usage. Alors la jeune fille se hissa sur le cheval et chevaucha longtemps, très longtemps. Enfin, elle arriva devant un autre rocher au pied duquel était assise une autre vieille sorcière qui filait avec un rouet d'or. Elle lui demanda encore « Savez-vous comment se rendre chez le prince et où se trouve le château sis à l'est du soleil et à l'ouest de la lune ?» Et la jeune fille obtint la même réponse. Serais-tu la jeune fille qui devait épouser le prince? Oui. Mais la vieille sorcière n'était pas plus renseignée que les deux autres. Je sais seulement que le château se trouve à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Et tu y parviendras peut-être un jour, ou peut-être jamais. Mais je te prête mon cheval. Rends-toi chez le vent d'est. Peut-être connaît-il ces régions et pourra-t-il t'emporter jusque là-bas. Une fois arrivé, donne un petit coup sous l'oreille gauche de mon cheval et il saura bien rentrer tout seul. Je te donne aussi mon rouet d'or. Peut-être te servira-t-il à quelque chose.
La jeune fille chevaucha longtemps pendant des jours et des jours avant d'atteindre la maison du vent d'est. Enfin arrivée, elle demanda « Savez-vous comment se rendre chez le prince qui habite à l'est du soleil et à l'ouest de la lune ?»« En effet, j'ai souvent entendu parler du prince et du château, mais je ne connais pas le chemin, car je n'ai jamais soufflé si loin. Si tu le veux, je t'emmènerai chez mon frère, le vent d'ouest. Peut-être sait-il quelque chose, car il souffle beaucoup plus fort que moi. Grimpe sur mon dos, et je te conduirai chez lui. » Elle grimpa sur le dos du vent, et ils filèrent à vive allure. Arrivé chez le vent d'est lui expliqua. « La jeune fille qui m'accompagne est celle qui aurait dû épouser le prince vivant dans le château sis à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Aussi est-elle partie à sa recherche et elle espère que toi, le vent d'ouest, tu pourras lui indiquer le chemin. »« Non, je n'ai jamais soufflé si loin. Si tu le veux, je t'emmènerai chez mon frère, le vent du sud, car il est beaucoup plus fort que nous. Ses ailes se déploient largement et peuvent battre très longtemps. » Peut-être saura-t-il quelque chose. Monte sur mon dos et je te conduirai chez lui. Elle grimpa sur son dos et ils se dirigèrent vers le vent du sud à très vive allure. Arrivé chez le vent du sud, le vent d'ouest lui demanda. Sais-tu comment se rendre au château sis à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, car cette jeune fille est celle qui aurait dû épouser le prince qui y habite. Incroyable. Alors c'est elle. Eh bien, j'ai rugi un peu partout, mais je n'ai jamais soufflé aussi loin. Mais si tu veux, je t'emmènerai chez mon frère, le vent du nord. Il est le plus vieux et le plus fort de nous tous. S'il ignore où se trouve ce château, alors tu ne trouveras personne pour te le dire. Monte sur mon dos et je te conduirai chez lui. La jeune fille se hissa sur son dos et ils partirent à vive allure. Encore une fois, le chemin lui parut bien court et lorsqu'ils arrivèrent devant la maison du vent du nord, celui-ci semblait furieux et soufflait des rafales glacées tout en marchant. Que le vent vous emporte ! Que voulez-vous ? Tu n'as pas besoin de te mettre en colère car je suis ton frère, le vent du sud. Je suis venu avec la jeune fille qui aurait dû épouser le prince qui habite dans le château sis à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Es-tu déjà allé là-bas ? Pourrais-tu lui indiquer le chemin ? Car elle désire réellement le retrouver. Oui, je sais où il se trouve. Il m'est arrivé une fois d'envoyer une feuille de tremble jusque là-bas, mais cela m'épuisa tant que je restais ensuite plusieurs jours sans lâcher la moindre bouffée. Mais si tu désires vraiment t'y rendre, et si tu n'as pas peur de venir avec moi, monte sur mon dos. Et nous verrons bien si je peux encore souffler aussi loin. Oh oui, comme je désire y aller, je suis prête à tout pour y parvenir. Et si le vent du nord avait l'air un peu fou, elle n'en avait pas peur du tout. Très bien alors. Mais tu devras dormir ici cette nuit, car nous aurons besoin de toute une journée pour nous y rendre. Tôt le lendemain matin, le vent du nord réveilla la jeune fille, puis gonfla ses joues et se mit à souffler si fort, et à enfler tant qu'il était effrayant à voir. Et c'est ainsi qu'ils partirent, très haut dans les airs, comme s'ils ne voulaient pas s'arrêter avant d'atteindre le bout du monde. Tout en bas soufflait une tempête si terrible qu'elle arrachait les arbres, les maisons, et lorsqu'ils survolèrent l'océan, les navires sombrèrent par centaines. C'est ainsi qu'ils filèrent, impossible d'imaginer jusqu'où ils allèrent. Ils passèrent au-dessus des mers, et le vent du nord se sentait de plus en plus las. À peine pouvait-il encore lâcher une bouffée d'air, et ses ailes pendaient, tant que les vagues lui frôlèrent les pieds. Tu n'as pas peur ? Non, je n'ai pas peur. Heureusement, il s'approchait de la terre et le vent du nord eut encore assez de force pour déposer la jeune fille sur le rivage.
étage, juste sous les fenêtres du château, 6 à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Mais il se sentait si faible qu'il dut se reposer plusieurs jours avant de pouvoir rentrer chez lui. Le lendemain matin, la jeune fille s'assit sous la fenêtre du château, puis se mit à jouer avec sa pomme d'or. La première personne qu'elle vit fut Long Nez, qui devait épouser le prince. Que veux-tu en échange de ta pomme d'or, petite ? Elle n'est pas à vendre, ni pour de l'or, ni pour de l'argent. Si tu ne veux ni or, ni argent, alors que veux-tu ? Il sera fait selon ton souhait. Si je peux voir le prince qui habite ici et rester avec lui toute cette nuit, alors je vous la donnerai. La princesse Long Nez accepta et emporta la pomme d'or. Mais lorsque la jeune fille se retrouva dans la chambre du prince, celui-ci dormait profondément. Elle l'appela, le secoua, éclatant en sanglots à chaque fois, rien n'y fit, le prince ne se réveillait pas. Le lendemain matin, l'aube à peine éclose, la princesse au long nez la chassa de la chambre. Dans la journée, la jeune fille vint se rasseoir sous la fenêtre du château, puis se mit à carder de la laine avec son peigne en or. Et la même scène se reproduisit. La princesse au long nez lui demanda « Que désires-tu en échange de ton peigne à carder ?»« Je ne veux ni or ni argent. Mais si je peux passer toute la nuit en compagnie du prince, alors je vous le donnerai. » Lorsque la jeune fille retrouva le prince, il dormait encore profondément. Elle eut beau l'appeler, le secouer, pleurer et prier, elle ne pouvait le rappeler à la vie. Et dès les premiers rayons de l'aurore, la princesse au long nez la chassa de nouveau. Dans la journée, la jeune fille revint s'asseoir sous la fenêtre du château, puis se mit à filer avec son rouet d'or. Or, la princesse au long nez voulut aussi son rouet. Elle ouvrit la fenêtre et le lui demanda. La jeune fille, comme elle l'avait déjà fait deux fois, lui répondit « Mon rouet n'est pas à vendre. Toutefois, si je peux me rendre auprès du prince pour la nuit, alors je vous le donnerai. » La princesse accepta. Mais il faut que vous sachiez. De pauvres gens avaient été amenés dans une chambre voisine de celle du prince. Ils racontèrent au prince qu'ils avaient entendu une femme l'appeler, pleurer et prier pendant deux longues nuits. Ce soir-là, lorsque la princesse lui présenta, comme tous les soirs, un breuvage de sa fabrication, le prince fit semblant de boire, mais jeta le liquide par-dessus son épaule. Il avait compris ce que contenait la coupe. Et lorsque la jeune fille pénétra dans la chambre, elle trouva le prince éveillé. Elle lui raconta comment elle était parvenue jusqu'au château. « Ah, tu es arrivé juste à temps, car demain je dois épouser la princesse au long nez. Je ne le veux pas, et tu es la seule femme qui puisse me libérer du sortilège qui me tient prisonnier. Je vais demander à Long Nez de laver la chemise aux 3 taches de cire. Elle acceptera, mais c'est une besogne qu'un troll ne peut pas accomplir. » Je proclamerai alors que je ne veux d'autre épouse que la femme qui réussira à enlever ses tâches, et je te demanderai de le faire. » Le lendemain, comme le mariage se préparait, le prince demanda à sa belle-mère. « J'aimerais bien savoir ce que ma fiancée est capable de faire pour moi. »« Bien sûr !»« Eh bien, la chemise que je souhaiterais porter pour mon mariage a 3 tâches, et il faudra la laver. Je jure que je ne prendrai d'autre épouse que la femme capable d'accomplir ce travail. » « C'est bien peu de choses. » Et la princesse au long nez commença à laver la chemise.
Mais plus elle savonnait, plus elle frottait, et plus les taches persistaient. Tu ne sais pas laver ! S'écria sa mère la sorcière. Laisse-moi faire ! À peine eut-elle touché la chemise que les choses empirèrent. Plus elle frottait, tordait, savonnait, rinçait, plus les marques fonçaient et s'agrandissaient, et plus la chemise devenait noire et sale. Alors tous les trolls se mirent à laver. Mais plus ils s'acharnaient, plus la chemise perdait sa couleur et sa forme. Elle semblait couverte de suie. Décidément, je ne donnerai pas cher de vous. Vous ne savez même pas laver. Ici, il y a une jeune fille qui, j'en suis sûr, saura mieux que vous tous comment laver cette chemise. Viens, viens ici, jeune fille. Et la jeune fille s'approcha. Peux-tu laver cette chemise ? Je ne sais pas, mais je pense y arriver. À peine eut-elle plongé la chemise dans l'eau que celle-ci devint plus blanche que neige. Tu es l'épouse qu'il me faut. À ces mots, la sorcière entra dans une telle rage qu'elle éclata, suivie de la princesse au long nez et de tous les trolls. Depuis, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Quant au prince et à la princesse, ils libérèrent tous les malheureux que les trolls avaient enfermés, puis ils prirent tout l'or et l'argent et s'enfuirent loin, aussi loin qu'ils le purent, du château 6 à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Histoire du pince-oreille.